je vous remercie très sincèrement et du fond du cœur pour votre soutien, le soutien indéfectible de toute la population du Nord Kivu, au FARDC et à la police nationale congolaise, leurs uniques forces de défense et de sécurité. Vous n'avez pas deux polices, vous n'avez pas deux armées, vous n'avez que celle-ci. Et l'armée et la police vous disent que aucun territoire, aucune partie, aucun centimètre, aucun millimètre du territoire de la RDC en général, et surtout du Nord Kivu en particulier, ne restera entre les mains de ces terroristes. Nous allons tout faire et tout mettre en œuvre pour bouter hors du territoire national ces criminels, ces terroristes, avec leur soutien. Le Rwanda ne nous émeut pas, ne nous fait pas peur. Et nous allons le combattre. S'il veut la guerre, il aura la guerre. Pour le moment, nous vous remercions pour vos actions. Nous vous demandons à manifester pacifiquement selon les recommandations du maire de la ville. Et votre mémo est bien arrivé, votre appel est bien entendu. Nous allons le remettre aux autorités compétentes pour qu'elles puissent examiner vos propos, vos revendications et nous les permettre de les mettre en pratique. Donc, rassurez-vous que tout sera mis en œuvre pour que Bunagana soit libre, pour que Rutshuru soit libre, pour que le Nord Kivu soit libre et pour que la RDC soit libre. Personne ne va occuper un seul centimètre de notre territoire. Je vous remercie. Merci.